Alors donc là, j'ai pu mesurer, donc j'ai 25 cm du point ajouré. À partir de là, donc, ce que je vais faire, une pelle. Donc, je vais monter d'abord. Je fais 4 rangées tout en jersey en droit. Puis je vais former la première boutonnière. On prend toutes les mailles à l'endroit donc. Là j'ai déjà réalisé donc première boutonnière. Première boutonnière, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37e barre de pointe de mousse, on réalise première boutonnière. On repart donc 6 mailles à l'endroit. Et le reste, on fait en tricote à l'envers. Donc on va monter 6 barres. 6 rangées en jersey en droit en blanc et 4. Donc on monte d'abord 4 rangées, 6 rangées en jersey en droit. Donc là on a terminé. Donc au total, on monte. Trente-deux centimètres du point. Alors pour en blanc, donc on monte 8 cm en blanc. Alors à partir de là, ce que je vais faire, je vais simplement arrêter et je vais lisser en attente toutes les mailles. On va placer sur une aiguille supplémentaire. Alors, donc, on laisse le tout en attente. Voici, on monte 43 mailles. Donc, 43 mailles. On va faire 2 barres de point de mousse avant de réaliser le point ajouré. Donc, une, deux,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42 et 43. On fait une rangée allée à l'endroit. Tourne le travail, on repart à l'endroit. On termine. On repart à l'endroit et on va revenir à l'endroit pour avoir deux barres de points de mousse. Donc, on termine pour le travail. On repart à l'endroit du travail. On va terminer de faire les deux barres du point de mousse dans le travail. Alors à partir d'ici, on va faire donc le point ajouré une fois, deux, trois, 4 et 5. On glisse une maille, on refait la séquence 2, 3, 4 et 5. Et on glisse une maille, on répète 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une maille. 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5 et plus une maille. Lorsqu'on repart, on glisse une maille, 2, 3, 4, 5, une fois, 3 et 5. Et on refait donc la séquence du point ajouré. Oh.
on termine la séquence 2, 3, 4, 5. Anglaise. Terminé. Première. Dans le travail, on va continuer. Donc avec... Avec la laine verte, cette fois-ci, on fait une maille à l'endroit. Et on prend toute la rangée à l'endroit. Vous voyez le fil, ce fil. Je les tricote ensemble les deux donc. Simplement pour éviter qu'il y ait un fil qui traîne derrière. Si, toujours, on relève. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on continue avec le point à jurer. Oh, excusez-moi, j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Bon, c'est pas grave, je vais m'y souvenir. Ah, bon, pour le moment, on continue, on réalise donc le point à jurer. Ici, première, on tourne le travail, on repart à l'endroit du travail. Donc, que j'ai pas fait une erreur ici. Faut que j'ai 43 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez. C'était celui-là qui a fuité. Oh, ce serait bien, on fasse un petit nœud. Ok, alors on continue, cette fois-ci on repart avec la couleur blanche, donc on décale une maille, 2, 3, 4, nous avons donc les 5 mailles pour la réalisation de notre point à jurer ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. On glisse une maille et on la serrure.
3, 4 et 5. Et on glisse. Répète la séquence. Encore, on va faire 5. On glisse une maille et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et on glisse 4 mailles à la fois. On tourne le travail cette fois-ci. On glisse les 4 mailles et on refait la séquence du point. 2, 3, 4 et 5. Une fois, 3 et 5 et on glisse et on refait la séquence. Donc on termine, voilà, et on glisse les 4 mailles. On tourne le travail, on repart avec le vert et on fait 1, 2, 3, 4, rond. Donc on refait la ligne comme le point à jury. Donc je vais faire total, on va monter 1, 2, 3 rangées du point à jury. Alors, donc on a monté au total 1, 2, 3 motifs du point à jury. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, vous allez comprendre, on va augmenter une maille ici, une maille là, une maille de chaque côté, et ici on va augmenter une maille et une maille, donc pour avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 mailles. D'accord. Ici. Donc pour cela, on fait une maille, je fais une augmentation intercalaire, et toutes les mailles à l'endroit. Ici aussi, je vais augmenter une maille intercalaire. D'accord. Toutes rangées à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire. D'accord. Donc, on va faire, vous allez voir, une première rangée augmentation intercalaire. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième rangée, on augmente une maille. On refait 1, 2, 3, 4. 5, 6. D'accord. Ici, on refait une augmentation de chaque côté. Ici, on repart à l'endroit. Et après, donc, on va monter 6 rangées tout en jersey endroit. Termine. Donc, à partir de là, on va monter
1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une augmentation de chaque côté et on refait 6 rangées. On gère 6 endroits, on fait une augmentation de chaque côté. Donc, excusez-moi, je refais une augmentation, 6 rangées, une augmentation de chaque côté, on fait 6 rangées. Une augmentation de chaque côté, on fait 6 rangées, une augmentation de chaque côté et on refait 6 rangées en jersey endroit.